C'est tout le monde, c'est Brice, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 du Let's Play de Pokémon Rouge Feu. Donc j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va faire l'arène d'Azuria. Je sais que vous l'attendez, ce combat contre la championne de cette ville. Voilà, tout simplement, donc vous pouvez voir le panneau. Arène Pokémon d'Azuria. Championne Ondine, la sirène en short. Ok. On va faire un... Oui, c'est vrai, on l'a déjà vu. On lui a déjà parlé. C'est vrai. Du coup, hop. Bon. Donc, il y a rien d'Azuria. Le cœur résiste, ok. Salut à toi, futur champion. Un conseil. Le champion... La championne en ligne est une spécialiste du type eau. Mais tu peux absorber l'eau avec des Pokémon plantes. Ou tu peux aussi les griller avec des Pokémon écriques. Ou juste les empoisonner avec des Pokémon poison. Pouf. Je suis prêt, ce baston. Major Louis. Coup de corne. Et hop, pour 30 battus. Niveau 24. Kukias. Bah du coup, notre prochain Pokémon, il va être dans très 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 longtemps. Hein. C'est insane. Est-ce qu'il peut déjà type combo, type jeu? Non, il n'y a pas de team class. C'est dead. C'est le bâtiment nageur lui. Allez hop. Je suis assez bonne pour toi. On dit n'attendra. Oh là là, c'est de la provocation ça. Pour moi c'est la provocation. Allez, poussirène. Petit coup de corne. Ok. Double pied alors. Ouais. Moi aussi ça veut quand même un peu plus de dégâts, vu qu'on attaque deux fois. Et les coups de corne. Au revoir. Hop. Allez, on va les soigner vite fait. Pour récupérer tous nos PP. J'ai les quelques PV perdus. Hop. Tac. Allez. C'est parti. Pour le combat. Contre Ondine. Tiens, un nouveau visage. Si tu veux être un vrai tresseur, il te faut une stratégie pour tes Pokémon. C'est quoi ta technique, hein? Pour capturer les Pokémon sauvages. Ma technique? Attaquer avec tes Pokémon. Oh. Un combat est lancé contre Championne Ondine. Corne. On va faire du coup de corne. Ah. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que je vais le mettre KO à la prochaine attaque ou pas? On va faire plutôt une double pierre. Ouais, comme ça on est sûr de le mettre KO. Hop. Staros. Non, on change pas. On va essayer l'empoisonnement avec un petit Darvenin. Ça va entendre plutôt pas trop mal. Non, pas d'empoisonnement. Toujours pas. Est-ce qu'on le tank ou pas? Je pense que oui. Ouais.
façon, au pire, on a toujours un rappel. Allez, coup de corne. Il se régène totalement. De son meilleur G, il fait 12 de... Il fait 22. 22 PV de dégâts de son meilleur G. Tournant qui ne me rend pas confus, ça me va. Allez, coup de corne. Moi, ce cul, il y a des attaques spéciales. Ouais, c'est dommage. Pas de coup critique. Eh bah, c'était chaud. Hop, niveau 25. Tadadam. T'es super balèze. Très bien. Je te donne le badge cascade pour m'avoir battu. Le badge cascade oblige tous les Pokémon d'un niveau inférieur au niveau 30 à t'obéir. Cela comprend aussi les Pokémon obtenus pendant un échange. En plus, tu peux maintenant utiliser la CS Coupe, même en dehors des combats. Tu peux couper les arbustes et ouvrir de nouveaux chemins. Tu gagnes aussi ma CT favorite. Et c'est Vibra quoi. Apprends-la un Pokémon haut. Ouais, mais pour l'instant j'ai pas de Pokémon haut. C'est un petit peu de la tristesse, hein, n'est-ce pas? Hop. On va aller se soigner vite fait. Hop. Allez. Maintenant on va continuer. Ah oui, il a vraiment mis la baraque sous la Team Rocket. Doit maintenant creuser des tunnels partout. Il y a des signes, des fractions ici. Je peux même pas aller à la bibliothèque. Ah, ces Rockets, ils sont si méchants. Regarde, qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Ils m'ont volé une CT pour apprendre à leur Pokémon à creuser des tunnels. Je vais justement l'utiliser à un de mes Pokémon. Allez. Elle m'avait coûté les yeux de la tête. Bon, on va aller essayer de le choper. Oula, c'est pas chez toi ici, hein. Quoi, moi? Je suis innocent, hein. Quoi? Tu me crois pas? Tu me cherches, n'est-ce pas? Oui, on l'a provoqué. On l'a provoqué, c'est incroyable. On a tellement pas provoqué, mais c'est pas grave. Au fond, je suis pas sûr que ça. Hein. Et la preuve, il m'a pas fait tant de dégâts que ça. Soporifique. À la base, j'hésitais entre Soporifique et Monsieur Mime, mais au final, je vais prendre ni l'un ni l'autre. Oh! Ça faisait longtemps, tiens. Et voilà. On a battu les sbires roquettes. Je me rends. Je fais pas le poids. C'est sûr. Ok, voilà la CT que j'ai volée. Je décampe, bye. Ouais, on va aller lui rendre. Contre mauvaise fortune, mon cœur. Je vais apprendre à mon Topika à creuser des tunnels sans CT. Mais il l'apprend naturellement en plus. Aïe aïe aïe. Ok, il y a un chemin à droite. Mais il y a coupe.
Non, je l'ai pas raté. Route 5. Ah ah! Que vois-je? Je m'occupe de la pension. Veux-tu que j'élève un de tes Pokémon? Bon, en fait, non, j'ai pas besoin. En gros, là, le problème avec cette pension, je crois qu'on peut me stocker qu'un seul Pokémon à la fois. Contrairement aux autres pensions classiques qu'on connaît, où on peut en mettre que, on peut en mettre deux. Ah, là, du coup, on peut en mettre qu'un seul. Et du coup, bah, pour ceux qui veulent faire des œufs, c'est pas l'idéal. Hein. C'est pas dans cette pension-là qu'il faut aller. Hein. Je crois qu'on peut pas passer par là. Je suis garde ici. Je crève de soif. Oula, la route est fermée. On ne passe pas. D'accord. Sous terre azurée avec un sur la... Oh, mais ok, on peut passer par là. Salut, t'es un... T'as un leader en mâle? Contre un leader en femelle? Non, merci. Dommage. Je crois qu'il y a une guérison qui est par là. Mais ouais, je sais pas où c'est qu'il est. Les gens font souvent tomber des objets dans le souterrain. Ah ouais, mais j'ai pas récupéré un seul objet. Ouh, il y a un objet ici. Une baie citrus. Ouh, ça c'est très rare les baies citrus. Ouais, il n'y a pas d'objet ici. C'est plein d'insectes ici. Non, je crois pas. Je crois pas qu'il y ait des insectes. Hein. Non, je crois pas qu'il y ait des Pokémon insectes là-dedans. Ouais. Miaous. Sterm. Ouais, je ne vois pas tes Pokémon insectes. Hein. Je sais pas si tu les as vus, mais il y en a pas. Hein. Hop. Qui est là? Arrête de nous espionner. Ça va. Hein. Voilà. Hop. Hop. Maintenant, on va pouvoir mettre à l'étoile. C'est une conversation privée. Dégage. Les gens sont vraiment... Oh là là, on peut pas leur parler tranquillement. Je t'ai jamais vu dans le coin, t'es balèze. Oh, enfin un adversaire m'attaque. Salaud. En plus, oui, c'est bon. Non, y a rien. Tant pis. Le vote qui fait... Oui, j'ai des Pokémon insectes. Bah non, t'en as pas. Tu n'en as point dans le coin. Peut-être que toi, oui, t'en as, mais... Hein? Tu veux me creuser? Un petit peu, ouais. Oh, ça fait quand même pas mal de dégâts. Hein. Et voilà. Je vais aller revoir l'autre. Je pense que l'autre tu vas me dire pareil. Je suis bien. Ah, la route est fermée. Ok, il me dit exactement la même chose. Voilà. Et voilà à Carmin-sur-Mer. Hop. On va juste visiter comme ça, on va parler à personne. Carmin-sur-Mer, le port au crépuscule flamboyant. Ouais, bah, y a pas tellement de crépuscule. Hein. Ah, une maison spéciale. Là. La vie. La route 10 peut être débloquée par un Pokémon endormi. Prenez la grotte pour rejoindre l'aventure. Police de Carmin-sur-Mer. D'accord. Et ben, il y a plein d'infos sur les panneaux. Ma foi. Bon, bah, et du coup, les amis,
On va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour cet épisode 7 de Pokémon Rouge Feu. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le pouce bleu, le petit commentaire et le petit partage, ça ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Allez, ciao ciao. Yeah.